appelé ça l'îlot des combes. L'îlot pour faire référence aux oasis de Pierre Rabhi. Sauf que nous, on a plus vu ça comme un îlot au milieu de la ville. Puis on est là dans le parc des combes. Donc, l'îlot des combes. Ici, c'est un lieu de passage en fait. C'est un genre d'oasis où les gens viennent se ressourcer, prendre des nouvelles idées, des nouvelles initiatives, pour ensuite partir les répandre. Le terrain en lui-même en fait est composé de deux bâtiments qui sont sur une surface de presque 2 hectares. Donc un premier bâtiment qu'on souhaiterait aménager pour faire des espaces collectifs avec une cuisine, un accueil et puis un endroit pour déjeuner. Et un second bâtiment en fait dont une partie servira à loger les personnes qui viendront nous rendre visite. Et quant au terrain en fait, on souhaite développer toute une réflexion en permaculture. L'idée bien sûr c'est de pouvoir être au maximum autonome sur ce projet. Mais également de pouvoir, à travers des ateliers ou des visites, puisqu'on accueille, on souhaite accueillir beaucoup d'enfants, pouvoir les sensibiliser en fait à un nouveau ou à un autre mode en fait de consommation. Voilà, il fallait la chercher assez loin. Et mon rôle était à la base, surtout ici, de tout défricher parce que c'était impraticable, de remettre en état donc ces terrasses, et maintenant de les entretenir, de les végétaliser, d'y implanter des légumes, des vivaces, des arbres. Et puis non, puis la ronce, c'est traçant, mais ça aussi, c'est traçant. Donc au niveau de l'accueil, en fait, on a imaginé différentes formules. On souhaite accueillir des familles avec leurs enfants et on s'adresse aussi à beaucoup aux jeunes des banlieues. Donc de la proximité avec Paris et Lyon, en fait, on a pas mal de groupes qui arrivent et qui font un vrai plongeon, en fait, puisqu'ils viennent de cités où ils vivent dans le béton. À tel point où j'ai une fille qui est venue il y a 2 semaines, qui avait 23 ans, qui n'avait jamais vu d'étoiles de sa vie, mais elle était sérieuse. C'est-à-dire qu'on n'est même pas coupé de la nature, on est coupé de l'univers. On vit dans des murs, on vit devant une télé, on vit dans des magasins. Et en fait, on sent que, même sans le savoir, ces jeunes qui viennent, ils ont ce besoin de se reconnecter. Et quand ils viennent là, c'est vrai qu'ils sont transformés. Ils découvrent tout à coup des légumes, ils découvrent comment on les cultive, comment on les ramasse, on fait de la cuisine avec eux. Vous avez tout à l'heure 9h30 avec Jean-Baptiste, il va vous sortir les outils, vous montrer et on va défricher déjà une première partie et ce sera le travail pour ce matin, d'accord? Il faut donc 2 pour préparer le petit déjeuner, maintenant, du coup. Ceux qui ne l'ont jamais fait. Vous venez? Je suis présidente de l'association Arcadia, donc, qui est une association qui a pour objectif de promouvoir toute expression culturelle et sportive. Et je voulais faire découvrir ce projet aux filles, pourquoi? Parce que on habite dans un quartier ultra bétonné. Il y a quelques arbres quand même, on va pas non plus être trop négative, mais voilà, je voulais vraiment les faire sortir de leur quotidien et être vraiment au contact de la nature. Et là, c'était leur montrer qu'il y avait autre chose, qu'on pouvait se rendre utile, faire des choses avec les mains et leur faire découvrir la terre, les animaux et aussi un chantier participatif. C'est donner de son temps sans avoir une rémunération, voilà, juste donner de son temps parce qu'on en a et on le partage. Et c'est vrai que c'est le fait de pouvoir attirer cette population d'Île-de-France notamment, fait qu'effectivement on a un réel melting pot ici, on a la vraie France qui vient. La France avec ses origines maliennes, maghrébines, polonaises, c'est moi le polonais. Et puis aussi des gens du coin, et c'est vrai qu'on a souvent des repas autour de la table, on a une dizaine d'origines différentes. Et donc c'est vrai que ce lieu est ce qui m'a beaucoup plu dans l'accueil justement du public, c'est de pouvoir offrir cette opportunité de se reconnecter, de se rappeler en fait, puisque c'est inscrit en nous, on est des êtres qui vivons dans la nature, on n'est pas fait pour vivre dans le béton. Et le fait de simplement se replonger une petite semaine maintenant, ça... Et très souvent les gens partent en disant, ça y est, je vais mettre ça chez moi, ou je vais prendre des poules, ou je vais mettre un jardin, ou je vais changer mon petit déjeuner. Ou... Parce que c'est l'objectif qu'on va, on veut modifier en fait les habitudes des gens. Ça m'arrive souvent dans ce lieu d'avoir un sentiment, c'est dur à expliquer, c'est être un peu submergé de bonheur. Parce qu'on sent que loin de toute cette société qui nous enchaîne quand on n'est plus des rouages de cette société, on se sent tellement libre, mais c'est la vraie liberté. Et il y a un philosophe grec, Sénèque, qui disait que la vie, c'était pas attendre que les orages passent, c'était apprendre à danser sous la pluie.